Bonsoir à tous, bienvenue à l'atmosphère de prière prophétique. Là où nous nous trouvons, nous voulons simplement nous tenir debout pour commencer à célébrer notre Dieu. Parce qu'il nous a accordé la grâce d'arriver en cette fin de semaine. Simplement, là où nous sommes, nous voulons déjà inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ce moment. Alléluia. Là où tu es, tu peux élever la voix avec des simples mots pour inviter le Saint-Esprit à venir établir son règne en ce lieu. Alléluia. Là où tu es, fais monter ce soupir inexprimable envers ton Dieu. Nous voulons faire monter ce chant comme une prière, comme un soupir pour inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle en ce lieu. Nous voulons dire, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Esprit de Dieu, nous t'invitons en ce lieu. Nous t'invitons en ce soir à prendre le contrôle, à établir ton règne. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Alléluia. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Esprit de Dieu, est-ce que là où tu es, bien aimé, les yeux fixés sur le Seigneur, tu peux simplement élever la voix pour inviter l'Esprit de Dieu en ce lieu. Saint-Esprit, nous t'invitons à établir ton règne au milieu de nous. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Tu élèves la voix avec nous, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Parce que nous ne voulons pas passer ce moment sans Esprit toi. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Nos cœurs dans ta présence. Esprit de Dieu, alors que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, nous voulons venir dans l'expectative, les regards fixés sur toi. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Nous t'invitons, Esprit de Dieu,
que tu peux acclamer la présence de nos corps? Est-ce que tu peux acclamer la présence de notre Dieu? Alors que là, nous sommes assemblés en son nom, quelle grâce! Là où tu es simplement, je t'invite à élever la voix pour célébrer ton Dieu, pour acclamer, pour célébrer, pour élever ton Dieu. Nous voulons dire Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'acclamons. Nous voulons dire roi de gloire, fais ton nom. Esprit de Dieu, nous t'acclamons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Esprit de Dieu,
Célébrer ton Dieu ce soir. Si toi aussi tu as un cœur rempli de reconnaissance, si tu reconnais que toi aussi c'est bien sa grâce qui t'a ramené en ce lieu, qui t'a accordé de terminer cette semaine, d'arriver jusqu'au vendredi, alors oui, nous allons célébrer notre Dieu. Yeah.
Est-ce que nous pouvons nous abandonner entre les mains de notre Dieu ce soir en disant Yeshua, notre Dieu, notre Père, Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Yeshua, Hamashia, tu es le Seigneur, le Sauveur. Ce soir, nous soupirons après toi. Ce soir, nous avons besoin de toi. Nous nous abandonnons entre les mains de Yeshua, Jésus le Christ. Yeshua, oh, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous nous abandonnons entre ses mains ce soir. Maintenant, de là où nous sommes, oh, afin qu'il puisse nous contrôler, nous conduire. Yeshua, oh, abandonnons à toi, nous soupirons après toi, nos cœurs soupirent après toi, nous avons besoin de toi, Yeshua, alléluia, merci Seigneur, merci Jésus pour ta présence, oh nous nous abandonnons à toi, nous nous laissons conduire par toi, par ton esprit ce soir. Tu es le bienvenu, nous t'accueillons. Sois honoré, Saint-Esprit. Sois acclamé, Esprit de Jésus. Sois acclamé, Seigneur. Sois acclamé, mon Dieu, mon roi. Oh, dans l'assemblée, sur Internet. Oh, nous voulons acclamer, faire monter des cris de joie, des cris de triomphe. Faire monter des clameurs à notre Jésus le Christ. Oh, merci Seigneur pour ta magnifique et ta glorieuse présence. Oh Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus. Oh, est-ce que nous pouvons faire monter des acclamations, des cris de joie, des cris de triomphe? La Bible dit qu'il monte au milieu des cris de triomphe de son peuple. Et ce soir, il est là, il est présent. Nous voulons accueillir sa magnifique, sa glorieuse présence. Accueillons le Saint-Esprit, honorons le Saint-Esprit par nos clameurs, par nos cris de joie. Oh, par nos chants, notre adoration, oh, notre célébration, en exaltant Jésus le Christ, car il est là, il est présent en ce lieu. Alléluia, est-ce que nous pouvons encore acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons encore faire monter notre reconnaissance à Dieu le Père, parce qu'il nous a donné le nom le plus beau, le nom le plus merveilleux, le nom le plus glorieux, le nom de notre Seigneur, Jésus le Christ, l'andetakote rebadosia, lakateke rebosia. Est-ce que nous pouvons faire monter d'excellentes actions de grâce, excellentes actions de grâce à Dieu le Père pour ce nom qu'il nous a donné, le nom de Jésus, maderebosia rabacheke, brikata, mandeke rebosia. Alléluia, les catarabas sautent. Oh, merci Seigneur pour ta magnifique et ta glorieuse présence. Et c'est dans sa présence, bien-aimé, que nous voulons élever la voix ensemble. Nous voulons élever la voix pour prier le Père, pour lui rendre grâce, pour lui dire merci. Oh, pour remettre toutes choses entre ses mains. Alléluia. Et de là où nous sommes, nous voulons prier ensemble, Père, alors que nous sommes devant le trône de sa majesté. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour sa présence? Madelebados. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Matekelebos. Bien-aimé, la Bible nous dit, dans Matthieu 16, au verset 18, il est écrit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes
du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien-aimé, il est écrit que c'est Dieu qui bâtit son église. Nous voulons être conscients que c'est lui qui bâtit son église ici sur ce territoire. Nous voulons être conscients que c'est lui qui bâtit son église en Guadeloupe en cette saison. Alléluia! Alléluia, c'est lui qui bâtit son église sur la Guadeloupe, à Saint-Martin. C'est lui qui bâtit son église à Basse-Terre, dans les îles du Sud, au Père en Grande-Terre. C'est lui qui bâtit son église et il le fait au travers des femmes, au travers de nos programmes, au travers du camp du réveil de ce soir. Amen. Et nous voulons être conscients, bien-aimés. Que ce sont des femmes, premièrement, qui ont été révélées la résurrection de Jésus. Amen. La Bible dit dans Matthieu 28, nous pouvons lire à partir du verset 1. Matthieu 28, à partir du verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre et un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était dur comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, alléluia! Il dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui est crucifié. Et au verset 6, il nous dit, il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Verset 7, et allez promptement dire à ses disciples, à qui? Alléluia, qu'il est ressuscité des morts. Alléluia, bien-aimés, nous voulons comprendre l'importance que ce sont des femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie, qui ont été révélées aux informations, la résurrection de Jésus aux disciples. Et nous croyons qu'au travers de ce programme du camp de réveil, au travers du ministère des femmes des Pâques, ce sont des femmes qui en cette saison iront apporter la parole, iront dans les rues de la Guadeloupe annoncer le réveil, annoncer que Jésus-Christ est vivant, annoncer que le Seigneur est vivant. Alors bien-aimés, si nous comprenons que c'est important de prier pour ce sujet, élevons la voix ensemble et rendons grâce à Dieu pour ce sujet. Oh, nous allons dire merci à Dieu pour ce programme de ce soir. Oh, merci Seigneur. Oh, pour le camp de réveil, le ministère des femmes, pour toutes ces femmes qui vont se lever. Alors de là où nous sommes, élevons la voix et disons merci à Dieu pour ce programme qu'il a suscité en cette saison. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Père, parce que tu as suscité ce programme. Oh Père, merci pour toutes ces femmes. Ces femmes que tu as suscitées en cette saison, pendant ce grand de réveil. Oh, ce soir, demain et les saisons à venir, des femmes iront apporter la parole. Alors Père, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te rendre grâce? Oh, telle des Marie de Magdala. Oh Père, merci pour ces femmes que tu suscites dans cette saison, en Guadeloupe, sur ce territoire, à Basse-Terre, en Grande-Terre, à Marie-Galante, à Saint-Martin, en Haïti. Alors élevons la voix ensemble et rendons grâce à Dieu. Disons merci à Dieu pour ces femmes qui se lèvent, ces
cette saison et qui porte la parole, qui annonce la parole. Oh, en Guadeloupe, à Saint-Martin, en Haïti, Père, comme tu l'as fait pour Marie de Magdala, oh, fais-le en cette saison, fais-le ici sur ce territoire. Bien-aimé, est-ce que nous sommes en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de reconnaître que c'est par le ministère des femmes qui ont annoncé, premièrement, les premières à annoncer la résurrection de Jésus? Oh, disciples, Père, nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce. Nous voulons être conscients de l'importance du ministère des femmes en cette saison, en ce temps de réveil sur ce territoire, en ce temps de réveil sur la Guadeloupe, en ce temps de réveil sur ce territoire, le territoire que tu nous as donné, le territoire où tu nous as donné, car tu dis que tu nous donnes partout là où la plante de nos pieds coule. Père, nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que vous êtes en train de prier? Est-ce que nous sommes en train de lever la voix? Les Kataraba, chez les Mosiadaba. Oh, merci pour ta présence. Merci, oh Père, parce que tu es dans ta main dans ce programme. Oh, dans ta main, Père, et dans ta main, Seigneur, et dans ta main, Dieu puissant. Oh Père, Bouddha, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Oh, ce soir, nous soupirons après toi, Seigneur. Nous soupirons après toi, afin que tu aies tant ta main pendant ce programme, pendant le temps de réveil. Ce soir, avec les femmes, toutes les femmes, avec l'église que tu bâtis ici en Guadeloupe. Oh Père, merci. Bâtis ton église, bâtis ton église, bâtis-nous, bâtis ton église. Oh Père, sur ce territoire, oh merci Seigneur. Alors que tu suscites ces témoins sur ce territoire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père, pour ta magnifique présence, pour ta main que tu étends. Merci, oh Père, parce que tu te glorifies en cette saison, au travers du camp de réveil. Au travers du camp de réveil, Père béni sois-tu, nous te bénissons, nous te recommandons cette soirée, nous te recommandons ce week-end, dans le nom puissant de Jésus. La caterebosia daba, mikanderebosia daba, chererebosia. Est-ce que nous pouvons élever la voix ensemble? Naderebosia daba, chekerebosia. Pour toutes ces femmes, oh, qui suscitent en cette génération, oh, merci. Pour ton règne que tu établis, ô Père, en cette saison, en cette génération, ô Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, ô merci pour ta magnifique présence, merci Seigneur, pour ton esprit qui nous conduit, qui nous conduit, qui nous remplit, qui nous remplit en cette saison, afin d'annoncer la parole en Guadeloupe, afin d'annoncer que Jésus-Christ est vivant et qu'il sauve et qu'il guérit encore dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu, notre Seigneur? Ô Père, merci pour le ministère des femmes, merci pour le camp du réveil que tu as suscité, ô Père, en ce week-end, ici en Guadeloupe. Oh merci, est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour cette multitude qui l'attire et qui l'admet en ce lieu, dans sa présence? Père, béni sois-tu, oh Père, béni sois-tu, dans le nom puissant de Jésus, nous faisons monter nos sincères acclamations, nos remerciements, notre gratitude à Dieu le Père pour sa présence pendant le camp de réveil. Manifesté par le Saint-Esprit, manifesté par son esprit, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous faisons monter des cris de joie, parce que nous voyons déjà le réveil
réveil en Guadeloupe. Nous voyons déjà le réveil sur ce territoire. Oh Père, là où tu nous as donné, là où tu permets que la plante de nos pieds foule, nous voyons, oh Père, le réveil. Et nous t'acclamons déjà, nous t'acclamons déjà, Père, dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié avec action de grâce et nous faisons monter encore des acclamations à Dieu le Père et nos amen. Oh, des amen qui montent comme le tonnerre devant le trône de sa grâce. Alléluia, alléluia. Oh, le Dieu du tout est possible est présent en ce lieu. Alléluia. Alors bien-aimés, nous allons continuer à prier ensemble alors que nous sommes dans sa présence. Amen. Amen. Nous voulons élever la voix et nous voulons faire monter notre action de grâce. Nous voulons faire monter d'excellentes actions de grâce à Dieu le Père, car il est le Dieu du tout est possible. Alléluia. Le Dieu, oh là où les hommes ont dit que c'était pas possible, mais lui, il dit que c'est possible. Et nous voulons rendre grâce à Dieu, car il dit dans sa parole. Le psaume 86 au verset 10. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, bien-aimés, psaume 86 au verset 10, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Alléluia. Et dans le psaume 77 au verset 14, la parole de Dieu dit, tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Alléluia. La Bible dit dans Job, tout est possible à Dieu. Alors bien-aimés, de là où nous sommes, nous voulons reconnaître que nous sommes dans la présence du Dieu de tout est du Dieu le tout est possible. Nous voulons élever la voix dans sa présence et lui dire merci. Merci parce qu'il est là, il est présent, il est dans le camp du réveil. Et le Dieu du tout est possible, quand il se manifeste, ce sont des miracles, ce sont des prodiges que nous voyons ici sur ce territoire, dans ce premier camp du réveil. Alors bien-aimé, si tu as compris le point de sujet, élevons la voix ensemble et rendons grâce à Dieu, rendons grâce au Dieu du tout est possible, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Est-ce que nous pouvons faire monter d'excellentes action de grâce au Dieu du tout est possible, qui se manifeste en cette saison, qui se manifeste dans les programmes ici à Impact Centre Chrétien, à Bergevin, dans cette famille spirituelle, dans les programmes au temps de réveil. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Bien-aimé, est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train de faire monter d'excellentes actions de grâce? La Bible dit, il est vrai, celui qui rend d'excellentes actions, parle en langue, rend, il est vrai, d'excellentes actions de grâce à Dieu. Il est vrai, nous rendons d'excellentes actions de grâce, alors que nous élevons la voix en esprit. La tate kerebosi alaba, brekata, 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 obakate kerebosi alaba. Le Dieu du tout est possible, oh Père, merci, tu te manifestes ce soir, tu te manifestes dans nos programmes, tu te manifestes dans cette saison, tu te manifestes dans cette génération. C'est pour cela que nous te rendons grâce d'ores et déjà. La kate kerebosia, les kate. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Fais monter ton action de grâce. Nous te bénissons, nous faisons monter ensemble, oh Père, d'excellentes actions de grâce devant le trône de ta grâce. La kate kerebosia daba. Oh Père, merci pour ces miracles, pour ces prodiges, oh Père, qui se réalise ici à Pointe-à-Pitre, ici à Bergevin, oh, ce soir, demain,
pendant le camp du réveil, nous te bénissons, nous te rendons grâce, ô Dieu. Merci pour ta présence, manifestée par le merveilleux, le glorieux Saint-Esprit, le paraclet, le conseiller, celui que tu nous as donné. Ô Père, notre avantage, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous faisons monter notre reconnaissance à Dieu le Père parce qu'il nous a donné l'avantage. Nous avons l'avantage par le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, présent au milieu de nous, présent au milieu de nous. Lakateke lebosia, matateke, brekata baba de lebosia. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Lateke lebosia, de là où nous sommes, nateke, brekata, matakateke lebosia. Oh merci Seigneur, nous te bénissons, tu es le Dieu des prodiges. Et tu as manifesté ta puissance, oh, sur ce peuple, dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Tu manifestes ta puissance, oh, dans ce programme, dans ce camp de réveil, ce soir, demain, dans le nom puissant de Jésus, avec les femmes que tu utilises puissamment. Manifeste ta puissance dans leur ministère, en ce week-end, Père, tu te glorifies au travers de ce programme des femmes des pactes. Père, nous te bénissons. Merci Seigneur, merci pour ta main que tu étends. Merci, ô Dieu, pour les guérisons que tu manifestes ici à Bergevin. Ô Père, ô à toi soit la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence pour tout à ce que tu es, le Dieu du tout est possible. Là où les médecins avaient dit qu'il n'y avait plus rien à faire, Père, étends ta main Seigneur, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, car tu n'as pas dit dans ton dernier mot au sujet de ma soeur, au sujet de mon frère, au sujet de ton église. Père, tu n'as pas dit ton dernier mot, alors étends ta main Seigneur. Oh, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance dans tous nos programmes ici à Bergevin, à Basse-Terre, en Haïti, à Saint-Martin, dans le nom puissant de Jésus, dans cette famille spirituelle. Père, reçois la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence. Reçois, oh, les clameurs de ton peuple, le peuple sur lequel tu manifestes ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus, ô Père, nous faisons monter des acclamations devant le trône de ta grâce, devant le trône de ta majesté, devant le trône de ta majesté. Brakate kerebosia, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce et nous disons ensemble amen. Alléluia. Kerebosia. Merci Seigneur pour ta présence. Est-ce que nous pouvons continuer, continuer? On va continuer à prier en langue, prier en esprit. La Bible dit que celui qui parle en langue dit des mystères à Dieu. C'est à Dieu qui rend d'excellentes actions de grâce. Nous rendons d'excellentes actions de grâce à notre Dieu, notre Père, parce qu'il est le Dieu qui rend toutes choses possibles. Il rend l'impossible possible. Il est le Dieu qui opère les miracles. Il est le Dieu qui fait de grands prodiges. Na
La Bible dit dans le psaume 121 qu'il fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Bien-aimés, avant que Dieu fasse, Dieu dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Amen. Donc il est important de dire merci à Dieu de ce que, Seigneur, tu fais pour nous de grandes choses. Nous te disons merci parce que tu as fait pour nous de grandes choses. Qu'on l'ait vu, qu'on ne l'ait pas vu, nous savons que tu fais pour nous de grandes choses. Que ce soit palpable maintenant, que ce soit palpable demain, Seigneur, nous sommes conscients que tu fais pour nous de grandes choses. Nous sommes conscients que même là où les médecins disent c'est pas possible, toi tu fais de grandes choses, tu dis que c'est possible. Même là où les hommes ont dit non, pour toi ce n'est pas bon, toi tu ne passeras pas, toi pour toi ce n'est pas accessible, parce que tu fais pour nous de grandes choses, nous te disons merci parce que tu vas nous permettre d'y arriver. Tu vas nous permettre de passer ce cap, tu vas nous permettre de traverser ce pont, tu vas nous permettre de traverser cette tribulation, ce défi, cette difficulté. Pourquoi? Parce que tu fais pour nous de grandes choses. Est-ce que quelqu'un peut dire un mot? Amen. Oh, acclame ce Jésus, acclame ce Dieu-là. Avant de faire, Dieu a besoin de voir à quel point tu lui fais confiance. Dieu a besoin de voir à quel point tu as foi de ce qu'il peut faire, de ce que rien ne lui est impossible, de ce qu'il est grand et il est au-dessus de tout, quel que soit ce qui existe, quel que soit ce qui a été dit, ce qui a été fait, quel que soit les défis, les difficultés, il n'y en a aucune que Dieu ne peut pas changer. Il n'y a aucune difficulté que Dieu ne peut pas résoudre. Il n'y a aucun problème qu'il ne peut pas solutionner. Il n'y a aucune question à laquelle il ne peut pas apporter de réponse. Il peut toutes choses. Alors nous allons élever la voix. Nous allons faire une prière d'action de grâce. Dire à Dieu, Seigneur, merci parce que pour nous tu fais de grandes choses. Et parce que tu fais de grandes choses ce soir encore, tu vas faire pour nous de grandes choses. Alors nous allons élever la voix. Est-ce que tu peux dire à Dieu merci? Merci Père, parce que tu es le spécialiste des grandes choses. Tu es le spécialiste des signes, des miracles et des prodiges. Dans le nom puissant de Jésus. Ah merci Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce que tu n'as pas changé. Mande brade a shara baba baba. Inde mande rebos sekete rebos. Sekete leke paradia saria. Mande lege baradia marra baba baba. Psaume 126, verset 3. Psaume 126, verset 3. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alors nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour la joie ultime, la joie immense que tu mets dans notre cœur. La joie vient de l'esprit de joie. La joie, ce n'est pas le sourire. La joie, c'est ce que le Saint-Esprit met à l'intérieur de nous comme gratitude, comme satisfaction. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Rien ne t'est impossible. Tu fais de grandes choses pour ton peuple. Tu guéris, tu bénis, tu délivres, tu libères, tu opères. Seigneur, ce soir, nous te sommes reconnaissants parce que tu ne fais exception de personne, parce que tu n'es pas impressionné par les défis, tu n'es pas impressionné par les maladies, tu n'es pas impressionné par les cancers, par ce pourquoi, Seigneur,
de ce que les hommes ne peuvent changer, ce que les hommes ne peuvent résoudre, toi tu peux les résoudre. Ce que les hommes ne peuvent transformer, toi tu peux le transformer. Nous te bénissons, Abba Père, nous te bénissons ce soir. Nous élevons nos voix devant le trône pour te dire merci, pour montrer notre appréciation, pour montrer, Seigneur notre Dieu, que nous te faisons confiance par rapport à nos situations, par rapport à nos vies, par rapport à nos familles, par rapport à nos foyers, nos métiers, nos circonstances. Nos pralinga paradea, salia maradea, rado seketerebo. Différence. Tu es le Dieu qui opère les miracles et qui accomplit les prodiges. Oh Seigneur, le Dieu qui n'est jamais en retard, le Dieu qui prend soin de son peuple, le Dieu qui nous a rachetés de toute faute, le Dieu qui nous a lavés de tout péché. Le problème de l'homme, c'était le péché, mais tu as résolu le problème du péché. Tu as donné ton sang pour que les péchés soient effacés. Tu as donné ton sang pour que les châtiments soient enlevés, pour que les jugements, les malédictions soient ôtés. Oh mon bien-aimé, mon Jésus, mon Sauveur, des milliers de milliers. De tous les fils de l'homme. Oh, de milliers. Oh, mon bien-aimé. Oh, mon bien-aimé. Tu es le plus beau. Ami. Parmi des le plus élevé, celui qui a le nom de la domination.
bénédiction, le nom de la conquête, le nom du triomphe, le nom de la vie. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Pour un changement d'histoire, pour un redressement de trajectoire. La femme à la perte de sang savait que personne n'aurait pu résoudre son problème parce qu'elle avait déjà essayé. Bartimée avait été aveugle mendiant toute sa vie. Il savait que personne n'aurait pu changer son histoire si ce n'est une main divine sur sa vie. Et quand Jésus est passé par là, il a crié « Fils de David !» parce qu'il savait qu'il n'y a que le fils de David, le rejetant de David, le lion de la tribu de Juda. Lui seul peut réécrire les histoires. Lui seul peut changer les circonstances. Lui seul peut tendre la main pour que le ciel et la terre soient réconciliés. Pour que Dieu, le Père, le Créateur, puisse étendre une main divine sur sa créature. Jésus est le seul. Jésus est le seul. Jésus est le seul. C'est lui, c'est par lui que nous avons le Saint-Esprit. C'est par lui que le divin est arrivé sur la terre et a été vulgarisé sur la terre. C'est à travers lui que la main de Dieu a été vue par cette génération perverse qui ignorait l'amour de Dieu, qui ignorait la présence de Dieu. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus
et le réécrivain. Celui qui réécrit les histoires, celui qui redresse les trajectoires, celui qui change les circonstances, celui qui guérit les malades, celui qui fait en sorte que les Bartimées deviennent des personnes tout à fait normales, des personnes qui sont nées paralytiques, mendiantes. C'est lui qui fait que les femmes à la perte de sang, qui ont des défis pour lesquels les médecins ne peuvent rien, les hommes ne peuvent rien, les sorciers ne peuvent rien, c'est lui qui apporte les vraies réponses. C'est lui qui apporte la vraie lumière. La Bible dit même dans Jean chapitre 1 qu'il est la véritable lumière. C'est lui, quand il brille quelque part, les ténèbres ne peuvent pas briller. Quand il éclaire quelque part, les ténèbres sont obligées de s'excuser. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu vas crier à Jésus ce soir pour un changement d'histoire. Un changement d'histoire. La Bible dit que par tes paroles, tu seras justifié. Donc, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Il n'y a que... Entre toi et ta guérison, entre toi et ton miracle, il y a ta supplication. Il y a ton désir, il y a ton cri, il y a ta soif. Entre toi et la révélation de Dieu dans ta vie, la révélation de Jésus-Christ dans ton histoire, dans ton problème, dans ton défi, dans ta circonstance, il y a ta supplication, il y a ta soif, il y a ton intercession, il y a aujourd'hui ton cri. Alors élève la voix là où tu es, demande à Dieu un changement d'histoire, demande à Dieu une réécriture, demande à Dieu celui qui écrit les histoires, qui prend les héros pour en faire des héros, celui qui réécrit, qui enlève toute rature que le diable voulait mettre dans ton histoire. Lui, il efface les ratures et il réécrit à l'encre de la gloire, à l'encre de la gloire. Par le sang de Jésus le Christ, il peut guérir les maladies, restaurer les cœurs brisés. Il peut faire ce qu'on appelle des guérisons extraordinaires, des miracles extraordinaires. Il peut redonner des organes qui étaient morts, il peut leur redonner la vie. Il a les pièces de rechange dans le ciel, il a les pièces de rechange du corps humain parce qu'il a créé le corps humain. Il est le garagiste par excellence que nous avons à notre disposition ici dans l'univers. Je veux que tu cries à Dieu ce soir, je veux que tu supplies le prêtre ce soir, je veux que tu élèves la voix ce soir pour dire: Jésus, ne passe pas sans me toucher, ne passe pas sans mettre ta main sur ma vie, ta main sur mon corps, ta main sur mon organe malade, ta main sur ma famille, ta main sur mes enfants, ta main sur mes projets. Ne passe pas ce soir sans pour autant t'arrêter ici. C'est vrai, c'est toi qui bâtis cette église. C'est vrai, Seigneur, c'est toi que nous invitons ce soir, pas seulement pour l'atmosphère de prière prophétique, mais également pour le camp de réveil. Nous t'invitons dans l'église pour nous qui sommes là, nous qui sommes connectés, mais également pour ceux qui ne sont pas là et qui font partie de cette grande famille spirituelle. Seigneur, nous t'invitons pour que, Seigneur, tu t'arrêtes, Seigneur, sur ce peuple que tu t'es formé pour publier tes louanges, ce peuple que tu as formé pour ta gloire. Seigneur, tu nous as formé pour qu'à travers nous on voit la gloire, à travers nous on voit les bonnes œuvres, à travers nous on entende les témoignages, à travers nous on dise que tu es vivant, que tu agis encore, que tu opères encore. Et paradea, recototo paradi, repredege paradia, rotoko parade, rade baba chile, ebrade baba. Dis à Dieu, il est impossible que tu passes sans me toucher, il est impossible que tu passes sans me guérir, il est impossible que tu passes sans te révéler. Révèle-toi à moi, montre-toi, Rabbi Abouni, nous avons soif de toi, besoin de toi. Nous aussi, comme cette femme à la perte de sang, nous voulons toucher le pan de ta robe, nous voulons te palper de plus près, nous voulons te connaître, nous voulons connaître la puissance de ta résurrection, la communion de tes souffrances. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Dieu est présent partout, mais il ne se manifeste pas partout. Il se manifeste là où il voit la soif, là où il localise des cœurs qui le désirent, des cœurs qui l'appellent, des cœurs qui croient en lui, des cœurs qui soupirent, des cœurs qui gémissent après la manifestation de sa présence, la tangibilité de sa puissance. Commandez les quêtes des babas. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté au son de ma voix? Est-ce qu'il y a quelqu'un à Haïti? Est-ce qu'il y a quelqu'un à Saint-Martin? Est-ce qu'il y a quelqu'un en Guadeloupe, dans la Caraïbe?
extrémités de la terre qui est en train de soupirer après Dieu pour un changement d'histoire, pour une intervention divine, une intervention chirurgicale céleste. Et paradea, recototo pare. Quel que soit le manque, quel que soit l'eau, l'anomalie, quel que soit la panne, quelle que soit la méforme, quelle que soit la douleur, quelle que soit l'ancienneté du défi, du problème. Makata rekoto, retoko paradia, rekekete le baba. Soit en esprit, soit par l'intelligence. Soupir après Dieu. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Ce soir, manifeste-toi au camp de réveil des femmes d'impact. Ce soir, manifeste-toi dans nos vies. Ce soir, manifeste-toi dans nos familles. Manifeste-toi dans la vie de nos enfants. Manifeste-toi. Seigneur, tu vois qu'on a des défis, des difficultés pour payer les études. On a des difficultés pour joindre les deux bouts. On a des difficultés pour prospérer dans notre couloir, pour opérer dans le couloir de nos vies, de nos destinées. Tu as vu les portes fermées, tu as vu les situations bloquées, les situations administratives, les situations juridiques. Nous ne venons pas voir un homme, on vient voir le Dieu des cieux, on vient parler au Créateur qui a opéré, qui a déjà agi par son Fils et par son Esprit. Ah Seigneur, il est écrit que tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait hier, tu peux le faire encore aujourd'hui, tu peux sauver encore aujourd'hui. Tu peux sauver les membres de ma famille. Tu as dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Tu peux sauver mes enfants. Tu peux sauver mon conjoint, mon époux, mon épouse. Ah, tu peux sauver mon père, ma mère, ma tante, mon oncle, mon aïeul, mon grand-père, ma grand-mère. Abba, ayaba, ayaba, shiketele baba, rokoto paradia. Changement d'histoire. Changement d'histoire. Confond les prédictions des hommes, confond les prédictions des médecins, confond les prédictions des sorciers, confond les prédictions des méchants, confond les prédictions des adversaires. Kaila parada, requete le paradia, ratata papa, ratata tata. Il est le même, il est le même, il est le même, il n'a pas changé, il n'a pas changé. Appelle-le, invoque-le, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera secouru, sera guéri, sera délivré, sera restauré. Appelle, appelle, appelle. Appelle-le. Appelle le Fils de Dieu. Appelle le lion de la tribu de Juda. Ah, il y a un peuple qui se lève comme un lion et qui rugit. Ah, il y a ma requête, rekakata, parada, et paradia, shakata, ika, paradia, karia, 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 shayra, parade, kiribaba, jokoto, paradia, rabrade, rabrade, seprado, seprado, aila, parade, ke parada, shayra, kaile, ke paradia. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es guérissais toute maladie hier. Tu guéris encore toute maladie aujourd'hui. Tu libères les captifs hier. Tu libères encore les captifs aujourd'hui. Ce soir, personne ne sortira d'ici comme il est venu. Ce soir, ceux qui sont venus oppressés sortiront libérés. Ceux qui sont venus liés sortiront déliés. Ceux qui sont venus captifs, Seigneur, sortiront libres. Là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Nous t'invoquons, nous t'appelons, nous te désirons, nous te demandons. Interviens, ne laisse pas faire. N'as-tu pas dit que tu te souviens du malheureux? N'as-tu pas dit que tu entends les cris des justes? Il y a des justes qui crient. Il y a des justes qui t'interpellent, il y a des justes qui tirent le poil de ta robe. Il y a quelqu'un qui entend te dire, papa, papa, est-ce que tu n'entends pas? Est-ce que tu ne vois pas? Aya, kaya, rateke para, rekete le baba, retrotoko shikete le baba. Changement d'histoire, réécris notre histoire, réécris l'histoire de l'église.
ne laisse pas prospérer le méchant. Tu as dit que tu ne laisseras pas vivre la magicienne, tu ne laisseras pas vivre les sorciers, quelle que soit la nature du sorcier, la puissance du sorcier, la puissance du magicien. Seigneur, je crois que c'est la fin de son règne. Je crois que c'est la fin de son gouvernement. C'est la fin de son influence. Il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir dans ta glorieuse présence. Dans ta glorieuse présence. Dans ta glorieuse présence. Dans ta glorieuse présence. Rugis ce soir, lève-toi ce soir, écris les histoires. Manifeste-toi, yeah. Arrêtez de baba, imanere de baba maro, et proto sekete le mande le gebaradia. Imbroto sekete, rekokoto parani, reke parade, emale lege baria marera babo sete. Tant pis pour ceux qui n'ont pas abdiqué. Tant pis pour ceux qui n'ont pas, oh oui, sauté du navire pendant qu'il était encore temps. Dans Hébreux chapitre 10, il est écrit qu'il est dangereux de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ils vont tomber entre les mains du Rédempteur. Ils vont tomber entre les mains du Sauveur. Ils vont tomber entre les mains du Guérisseur. Ils vont tomber entre les mains du Triomphateur. Yeah! Tant pis pour les mauvais, les méchants. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Ils ont eu l'opportunité de sauter du navire, d'abandonner le bateau, de lâcher nos vies. Ils n'ont pas fait, ils n'ont pas obéi. Ah Seigneur, tu as dit que tu vas affliger ceux qui nous affligent. Par ta justice, tu vas interrompre le cycle de destruction. Le cycle, ah oui, d'échec. Le cycle, ah oui, de maladie. Le cycle de corruption. Le cycle de méchanceté, de pauvreté. Tu vas l'interrompre. Tu vas l'anéantir. Tu vas l'annuler. Dans Hébreux 13, 8, il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 8, verset 16, qu'il guérissait toute maladie. Il guérissait toute maladie et il chassait tous les esprits méchants par sa parole. Il guérissait toutes les maladies. S'il le guérissait hier, il le guérissait hier, il peut encore le guérir aujourd'hui. Amen. Quel que soit le type, le nom de la maladie, si sa présence pouvait faire en sorte que les démons se manifestent et dire « Pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps ?» C'est que sa présence peut encore provoquer de l'émoi dans le royaume des ténèbres aujourd'hui. Amen. Jésus-Christ est dans la place. Ce que nous voulons, c'est qu'il soit simplement manifesté. Qu'il fasse ce qu'il veut. Qu'il se répande ici. Quand sa gloire est là, oh mon frère, ma soeur, personne ne peut résister à sa gloire. Sa gloire, c'est son essence. Sa gloire, c'est sa puissance. Sa gloire, c'est sa luminosité. Sa gloire, c'est sa lumière. Il habite une lumière inaccessible.
Autrement dit, quand la gloire est là, rien ne peut résister. Les maladies ne peuvent résister, les troubles ne peuvent résister, l'échec ne peut s'accrocher à toi, absolument pas. La confusion ne peut pas être ton partage quand il est là. Ceux qui se confient en lui ne sont jamais confondus, parce que lorsqu'il atterrit dans l'histoire, là, c'est une toute autre histoire. C'est une toute autre histoire. Il est le réécrivain de ton histoire et de mon histoire. Il est celui qui libère les captifs, qui guérit les malades. Il est celui qui restaure les cœurs brisés, qui relève ceux qui étaient par terre, qui fortifie les faibles. Regardez ce qu'il dit. Psaume chapitre 8, verset 3. Il dit que par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. La version française courant dit, mais c'est la voix des petits-enfants, des tout petits-enfants, que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. La voix des petits-enfants, nous sommes les petits-enfants. On est venu crier à l'aide à Dieu notre Père. Il dit qu'il a fondé sa gloire justement pour que les méchants sachent qu'il n'y a aucun match possible, aucune opposition possible. Quand la gloire de Dieu est là, ils sont obligés de lâcher prise. Même les plus acharnés sont obligés de dire, là on s'excuse, vraiment désolé, on ne voulait pas, on ne voulait pas, on ne voulait pas. C'est ce qui va arriver ce soir. Et je vous le dis, c'est ce qui va arriver également au camp de réveil des femmes d'impact. C'est ce qui va arriver ce week-end. La gloire de Dieu va être libérée en ce lieu. Et la gloire de Dieu ne fait l'objet d'aucune contestation. Quand la gloire est là, Dieu lui-même est arrivé dans la place. Dieu lui-même est rentré dans la situation. Dieu lui-même est rentré dans le problème. Dieu lui-même est en train d'atterrir. Et quand il atterrit, la Bible dit que dans le temple de Salomon, quand Salomon était en train de consacrer le temple, la gloire commençait à se manifester. Et quand la gloire est apparue, plus personne ne pouvait bouger. Les sacrificateurs ne pouvaient plus faire le service. Ils étaient tous ébahis, illuminés. Ils étaient aïe, hey, mate que paratoko si katalabaya. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire à jamais. Il n'a pas changé, il n'a pas changé. À toi, le pouvoir libérateur, le pouvoir de guérison, le pouvoir de changement, de transformation. À toi, quelle que soit la situation, la circonstance, à toi, le pouvoir, à toi qui peut tout, à toi qui change tout. Les plus méchants à toi. Manifeste ta gloire. Manifeste ton pouvoir. Manifeste ta puissance. Manifeste ton autorité. Aïe! À toi. Au travail. À la maison. Au quartier. Dans la famille. À toi. À toi. Ah!
Toi qui ne change pas. Est-ce qu'il y a un adorateur dans la place qui est en train de dire à toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire à jamais. Toi qui réécris les histoires, toi qui donne les témoignages, le pouvoir à toi, à toi la puissance, à toi. Toi qui as dit vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins, toi qui fais de nous des témoins, à toi, Aya Karala Yasata, Rababa Sokoto Paralia, Rekete, Rekete Leba Radia, Rokotopa, Rokotopa, Rekete Leba, Ibradeke Paralia. Ah, tu as choisi le bon moment pour soupirer encore, pour crier en langue, prier en esprit, pour élever la voix. Choisis le bon moment, tu as choisi le bon moment. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant à toi. Soupire après toi derrière son écran, à quelqu'un qui crie à toi ce soir au fond de son cœur. Fais de nous des témoins, fais de nous des témoins, fais de nous des témoins. Tu as dit que le monde voit nos bonnes œuvres afin qu'il te glorifie. Glorifie notre Père qui est dans les cieux. À toi, à toi. Nous ne voulons pas la gloire pour nous. La gloire est à toi, le pouvoir est à toi, la puissance est à toi, l'autorité est à toi, la souveraineté est à toi. Ma tata le kete reparia. À toi, le pouvoir à toi, à toi, la puissance à toi, à toi, la gloire à jamais. Amen. À toi, à toi, à toi, le pouvoir à toi, devant les maladies incurables, devant le diabète, devant le cancer, devant les problèmes physiologiques, devant à toi, le pouvoir à toi, à toi, la puissance à toi, à toi, devant les troubles mentaux, devant la schizophrénie, devant l'anxiété. Devant les AVC, devant les problèmes de cœur, à toi, à toi, le pouvoir à toi, devant tous les troubles psychologiques, psychotiques, les peurs, les phobies, ayamarakete les paralia, les dysfonctionnements hormonaux, à toi, les insuffisances rénales. À toi, devant les colons abîmés, devant les trompes qui avaient été arrachées. Oh, à toi, à toi, à toi. Et Karabaya, il y a une stérile qui est en train de crier. Il y a quelqu'un qui avait été appelé stérile, qui est en train de dire à toi la gloire dans ma vie, dans mes entrailles. Oh, dans ma semence, à toi. Reka paralea, ereketeba, rekoto parade. Dans ma tête, les céphalées sont en train de s'excuser. Les maux de tête chroniques, les défis, les douleurs, les sciatiques sont en train de dire ah, il faut que je parte, il faut que je parte. Ça chauffe ici, ça chauffe ici. Ah, manifeste ta gloire à toi, à toi. À toi, le pouvoir à toi,
Ah, oh oui, à toi. Là où la chancellerie avait frappé, là où les esprits humains avaient frappé, là où il y avait des hommes forts qui étaient plus forts que toi, plus forts que toi. Appelle-le, appelle-le. Nous avons égaré, nous avons influencé, nous avons emprisonné. Fais parler ta gloire à toi, à toi. Le pouvoir à toi, à toi. La puissance à toi, chaque attaque est contre toi, à toi. Il va faire éclater sa gloire ce soir, déjà maintenant, mais encore tout à l'heure et encore demain. Parce que c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. À toi, à toi. J'entends dans mon esprit que Dieu veut faire éclater sa gloire. Dieu veut faire éclater sa gloire. Ça commence maintenant, mais ça ne va pas s'arrêter maintenant. Ça va continuer encore cette nuit à travers la veillée des femmes. Ça va continuer encore demain à travers ce camp de réveil des femmes. Ça va continuer encore dimanche. Ce week-end est un week-end spécial. C'est ce que j'entends dans mon esprit. C'est à lui que revient la gloire. C'est à lui que revient la puissance. C'est à lui que revient la domination. C'est lui quand il impose sa gloire. On a vu tout à l'heure dans le psaume 8 verset 3 que même les méchants les plus acharnés sont obligés de reculer, sont obligés de lâcher, sont obligés de s'excuser. Bien-aimés, il y a des maladies chroniques, il y a des difficultés chroniques de longue durée qui ce week-end vont s'excuser, ce week-end vont s'estomper. Il y a des difficultés majeures pour lesquelles même malgré tes prières, malgré tes jeûnes qui n'avaient pas, qui n'étaient pas partis, qui n'étaient pas terminés, ce week-end, il est en train de dire « Ma gloire va faire la différence, ma gloire va faire la différence ». Ma gloire va faire la différence. Et il va commencer maintenant. Il va commencer maintenant. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas crier Jésus. Et quel que soit ce qui t'oppressait, quel que soit ce qui te bloquait, quel que soit ce qui t'influençait, quelle que soit la douleur, quel que soit ce que tu subissais, oh, la gloire de Dieu va le faire éclater. La gloire de Dieu va le faire éclater. La gloire de Dieu va le faire éclater. Ratakapa, élève la voix en esprit. Mande protoko shekete rekata la baba. Improtoko paradia. Reteke parade. Rekete legebai. Ledebai, ledebai la braidege. Protoko negeba baba. Improtoko shekete. Protoko baba baba. Ekatata. Ekata paradeke. Rokoto paradi. Rekete. Maila. Laila. Shaila. Gaila. 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 Braida. Gaila. Pai. Rakata raba. Est-ce que tu es en train de prier? Si tu ne pries pas en langue, désire le baptême du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue. Et prata katata, kapara de kete, rata pradea. Il veut faire éclater sa gloire. Il veut faire éclater sa gloire. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui.
et il le fera encore demain. Il n'est pas à court de ressources. Il n'est pas à court de pièces de rechange. C'est pour ça qu'il peut faire les miracles qu'on appelle les miracles créatifs. Il peut recréer des organes, recréer des reins, recréer des oreilles. Il peut déboucher des oreilles. Il peut faire voir les aveugles. Il peut redonner un iris dans l'œil alors qu'il n'y avait plus d'iris. Il peut faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Il peut opérer là où les chirurgiens, les meilleurs chirurgiens du monde ne peuvent pas opérer. Il guérit les cancers, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Et ce soir, l'esprit de résurrection va parler. L'esprit de résurrection va redonner la vie à tout organe, à toute situation qui était morte, à toute famille qui était morte, à toute relation qui était morte. À toi, tu vas crier Jésus. Makata leke paradea. Oh, Shakila paradia salia. Maila praide ke la paila. Un, mandelege paradeke sita la baba baba. Deux, haila praila kaila. Il fallait reculer avant. Vous, méchants, vous, sorciers, vous, hommes forts. Il fallait renoncer avant. La gloire de Dieu va régler votre compte. La justice de Dieu par le feu va être manifestée maintenant. Toi, oh, Kaya Shakata Rabababa, Ebrakate Leketaria, Ratia, Shaila, Kaparate, Rateke, Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. La schizophrénie s'excuse. La bipolarité s'excuse. Les cancers s'excusent. Les douleurs s'excusent. Il y a des gens qui repoussent. Il y a des gens qui repoussent. Les nerfs sciatiques sont redressés, revigorés au nom puissant de Jésus. Il y a réparation de nerfs, réparation de muscles. Il y a réparation d'organes. Makata Raparadia Jésus. À toi, le pouvoir, à toi, Jésus. Ce qui était trop petit, ce qui était court, repousse. Ce qui n'était pas à sa place est redressé. Là où il y avait le désordre, l'ordre est placé. L'ordre divin est désormais visible. Là où la circulation sanguine ne se faisait pas, la circulation sanguine recommence à se faire. Il y a des nerfs qui n'étaient pas alimentés correctement. Il y a alimentation maintenant. La vie de Dieu circule de la tête à l'extrémité des pieds. Les esprits derrière la bipolarité, derrière la schizophrénie, derrière les troubles mentaux, maintenant sont expulsés, expulsés, expulsés. Esprit de folie, expulsés. Esprit de cécité, expulsés. Esprit d'handicap, toi qui handicapais mon frère, ma soeur, toi qui l'empêchais de courir, toi qui avais bloqué ses pieds, esprit d'instabilité, je te réprime par le sang de la croix, par le sang de Jésus. Esprit de trouble mental, tu dégages, tu dégages. À toi, esprit de limitation, esprit de frustration, tu libères les cœurs, les pensées, folie, folie, dépression, suicide, mort. Tu libères les captifs, tu libères les vies, tu libères les corps, tu libères les destinées. À toi, à toi, tu libères l'église, tu libères l'église, tu libères le peuple de Dieu, le peuple que Jésus, que Dieu s'est acquis par la croix, par le sang de la croix, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lâche prise, lâche prise. Le pouvoir à toi, la puissance à toi, la gloire à jamais, jamais. À toi, le pouvoir à toi, la puissance à toi, à toi. À toi, à toi, à toi.
puissance à toi. La gloire à jamais. Acclamer le Seigneur ce soir. Et Ranerebo Sarariaba, c'était là-bas. Bien-aimé, Dieu va faire pour nous de grandes choses. Et nous serons dans la joie. Psaume 126, verset 3. Il a commencé et il va continuer. Ce week-end encore, il va faire. Il va réduire au silence les méchants et les vindicatifs à cause du niveau de sa gloire qui va augmenter tout au long de ce week-end. Et il va récompenser les assoiffés. Il va localiser ceux qui ont soif. Il va localiser même des foi aussi grandes qu'un grain de moutarde. Il va honorer ce niveau de foi. La confiance que tu vas mettre en Dieu, aussi petite soit-elle, dès que tu vas dire « Seigneur, j'ai confiance en toi, je m'attends à toi », le Seigneur va te trouver, le Seigneur va te localiser. Et ce soir, bien-aimé, dès maintenant, il y aura des témoignages ici et des témoignages sur Internet, dès maintenant. Et les témoignages vont encore continuer, parce que le Saint-Esprit va continuer de faire, il va continuer de faire. Il est un Dieu sans limite. Il est un Dieu sans mesure. Il n'a ni commencement ni fin. Oh, Mara, Tali, Parade, Kebrania, Salia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Eh, Parado, Satan. Nebroto, Sikete, Lekede, Parade. Imbrato, Salama, Mama, Salama. Sekele, Nebo, Siria, Maria, Maria, Nebo. Ce soir, j'ai à cœur que on prenne ensemble la Sainte-Seine. Le Seigneur veut guérir des corps. Parce que je sens dans mon esprit que de nombreux corps sont attaqués par des esprits d'infirmité. Ce n'est pas des maladies naturelles. Par des esprits méchants, des esprits de sorcellerie. Et nous voulons mettre la vie de Dieu à l'intérieur de nous. Bien-aimés, la Sainte-Seine, le pain et le vin sont le corps et le sang de Jésus. Et Jésus a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Parce que ce pain et ce vin, il y a un mystère derrière ça. Le mystère, c'est que quand on est en communion avec un autel, quand on est en communion avec un autel satanique, la puissance démoniaque qu'il y a sur cet autel est transmise à la personne qui invoque cet esprit sur cet autel. Mais Jésus dit, c'est l'apôtre Paul qui nous explique dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Il commence au verset 15 en disant, « Je parle comme à des hommes intelligents. » Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, verset 18. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Quand on consacre une nourriture sur un autel, ceux qui mangent cette nourriture se mettent en communion avec l'esprit qui est sur cet autel.
C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Il dit verset 19, que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, aucune idole est quelque chose, nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je veux que vous soyez en... Je ne veux pas, que vous soyez en communion avec des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc, nous ne voulons pas participer à la table des démons, mais on veut participer à la table du Seigneur. Et quand on participe à la table du Seigneur, on se met en communion avec l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur est un esprit de résurrection. C'est un esprit de guérison. C'est un esprit de libération. Quand on vient communier à l'autel de Dieu, l'autel de la croix, la puissance de Dieu nous est communiquée à travers cette nourriture qui est sacrifiée sur l'autel de Dieu. Et la nourriture qui est sacrifiée sur l'autel de Dieu, c'est son corps et son sang. Dans Jean chapitre 6, Jésus a dit, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Autrement dit, quand vous mangez un pain d'apparence ordinaire, un pain sans levain, et que vous le consacrez à Dieu, naturellement, ce n'est que du pain, mais spirituellement, ça devient le corps de Jésus. Et quand on prend le corps de Jésus n'avait aucune maladie, aucun défaut, aucun virus, aucun microbe. Et le sang de Jésus a vaincu Satan et la mort. Le sang de Jésus a été versé pour que tous les péchés soient effacés. Quand on prend le sang, nos corps sont purifiés, nos corps sont revigorés, nos corps sont requinqués, redynamisés. La vie de Dieu est maintenant injectée dans chaque cellule de notre corps. Quand on prend le corps et le sang de Jésus, on est en train de se piquer. Vous savez comment font les cyclistes? Non, pardon, pas tous. Hein. Comment font les cyclistes? Ils se piquent pour pouvoir avoir une énergie supplémentaire. Nous, on est en train d'opérer une démarche spirituelle qui consiste à mettre la vie de Dieu à l'intérieur de nous. Si bien que là où il y avait la maladie est obligée de partir. Si bien que là où il y avait des défis, des dysfonctionnements, les dysfonctionnements sont obligés de s'arrêter. Parce que il y a le patrouilleur spirituel céleste qui vient patrouiller nos organes, nos cellules, nos corps, dans le nom puissant de Jésus. Et c'est ce qu'il va faire ce soir à travers la Sainte Heure. Vous pouvez distribuer. Donc ce soir, quiconque accepter Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur et éligible pour prendre la Sainte Cène. Quiconque accepter Jésus-Christ dans sa vie, si tu n'as pas accepté Jésus, ne prends surtout pas. Si tu sais que dans ton cœur, tu n'es pas droit avec le Seigneur, tu vis encore dans le mensonge, l'impudicité, le manque de pardon, je t'en supplie pour toi-même, ne prends pas. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 que celui qui prend le corps et le sang du Seigneur sans le discerner, ça tire sur lui une condamnation. Donc, ne permets pas que cette condamnation soit ton partage. Mais si tu es sincère avec Dieu, si, même si hier, ou en venant ici, il y avait des choses que tu n'avais pas réglées, tu n'avais pas demandé pardon à Dieu, demande pardon à Dieu, Dieu te pardonne et tu peux prendre la Sainte Cène sans aucune culpabilité. Sans aucune culpabilité. Si vous êtes chez vous, prenez du jus de raisin, prenez du pain sans levain si vous en avez. Si vous n'en avez pas, prenez du pain ordinaire. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Prenez du jus ou de l'eau. Parce que, voyez-vous, c'est un acte spirituel. À travers la prière d'action de grâce, ce breuvage naturel, que ce soit de l'eau, que ce soit du jus de raisin, devient le sang de Jésus. Le juste vit par la foi. À partir du moment où tu nourris ta foi, tu déclenches ta foi, le Seigneur agit par son esprit. Il transforme le breuvage, il transforme l'aliment. Amen. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau.
parmi les miniers, ô mon bien-aimé, tu es parmi les. Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Tu as dit dans ta parole, par la bouche de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce. L'action de grâce est importante parce que c'est l'action de grâce qui opère la transformation surnaturelle. Après avoir rendu grâce, le remplit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous allons prendre tous ensemble, avec une attitude d'humilité, de reconnaissance, nous allons prendre ensemble le corps de notre Seigneur Jésus. Qui continue. Toujours l'apôtre Paul qui parle en disant, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Seigneur, nous prenons cette coupe qui est ton sang qui a été livré pour nous, pour nos péchés. Prenons tous ensemble le sang de Jésus. Te bénissons, Abba Père, pour ton corps et pour ton sang. Ce sang, comme des globules rouges, des globules blancs à l'intérieur de nous, parcourt notre corps, neutralise toute forme d'infirmité, toute forme de dysfonctionnement, toute forme de maladie, toute forme d'insuffisance, toute forme de manque, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom du dysfonctionnement, quel que soit le nom du trouble, nous venons maintenant vous écarter de nos corps, vous écarter, éloigner de nos vies dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, toute forme de maladie est neutralisée, toute forme de dysfonctionnement est neutralisée dans nos corps mortels, dans nos corps humains, dans le nom puissant de Jésus. Parce que nous avons mangé le corps et le Jésus et bu son sang, nous croyons maintenant que nous sommes lavés de tout péché, de toute iniquité, nettoyés de fond en comble. Les corps souillés sont maintenant purifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui avait été introduit dans nos cœurs, dans nos corps, par la sorcellerie, par le royaume des ténèbres, par l'occultisme, par les châtiments, les malédictions, les maléfices, les incantations, par les consécrations, les envoûtements, et maintenant réduit à néant dans le nom de Jésus, et maintenant expulsé dans le nom de Jésus. Les maladies communiquées par la sorcellerie sont maintenant réprimées par le sang au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De même qu'à Goshen, en Égypte, l'ange de la mort est passé par-dessus, parce que le sang des boucs, le sang des taureaux, le sang des agneaux sans défaut avait été aspergé sur les linteaux des portes des Israélites. Nous te bénissons de ce que ce soir, les esprits de mort passent par-dessus. Les esprits derrière le diabète, derrière les cancers, derrière les insuffisances, les manques, les douleurs, les esprits derrière les malédictions, les maléfices, maintenant, par la puissance du nom de Jésus, passent par-dessus au nom puissant de Jésus. Nous déclarons maintenant la fin du règne de Satan, la fin du règne des démons, la fin du règne de la sorcellerie, la fin du règne des esprits mauvais et méchants qui gangrenaient les âmes, les cœurs dans le nom de Jésus. Les esprits d'amertume, de colère, de rejet, de ressentiment, les esprits de blocage, de limitation, de frustration, les esprits méchants sont expulsés des corps maintenant dans le nom puissant de Jésus. Père, nous appelons le rétablissement divin.
Nous appelons la correction de toute anomalie. Nous appelons le redressement de tout ce qui chancelait. Nous appelons la réparation de tout ce qui était en panne. Nous appelons maintenant la guérison totale. Nous appelons l'assainissement, Seigneur notre Dieu, dans nos cœurs et dans nos vies. Nous appelons la résurrection de ceux qui étaient morts. Au nom puissant de Jésus, merci pour les corps malades qui sont guéris. Merci pour les corps faibles qui sont vivifiés. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu revitalises, tu revigores. Merci de ce que tu répares maintenant dans nos corps, à nous qui sommes ici présents, dans les corps de ceux qui sont connectés avec nous sur Internet, depuis Haïti, Saint-Martin ou ailleurs, la Guadeloupe, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, tendre Père. Nous savons, ô Dieu, que tu n'as pas changé. Tu agis encore aujourd'hui par ton esprit. Merci de ce que hier tu agissais déjà. Aujourd'hui tu agis encore et demain tu agiras encore. Merci d'avoir ouvert la porte à la manifestation de ta gloire dans l'église, dans nos vies, dans nos histoires, dans les couloirs de nos destinées, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te sommes reconnaissants et nous acclamons ta présence. Nous acclamons pour ta présence. Nous acclamons pour ta puissance. Nous acclamons pour ta gloire. Oh yes, God. À toi le pouvoir. À toi la puissance. À toi le règne. À toi la gloire. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. La gloire n'est pas pour nous. Nous te la rendons. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous acclamons pour la gloire de Jésus. Nous acclamons pour la gloire du Père. Nous acclamons. Parce que toi seul es digne de recevoir l'honneur, la puissance, la majesté, la gloire dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh, est-ce que tu es en train d'acclamer Jésus ou est-ce que tu es en train d'acclamer le voisin? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Arate que rebarado si la bahanda, e broto se que te le bahanda. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Oh, à qui est-ce que Dieu a fait du bien ce soir? Ah, à qui est-ce que Dieu a fait du bien ce soir? Oh, je ne t'entends pas. À qui est-ce que Dieu a fait du bien ce soir? Oh, alléluia. Acclame Jésus encore. Acclame le Seigneur. Qui a observé un changement dans son corps ou dans sa vie déjà ce soir? Qui a observé un changement? Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur pour eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner ce soir de ce que Jésus a fait? Qui veut témoigner ce soir de ce que Jésus a fait? Rappelez-vous que le miracle, c'est pour vous. Le témoignage, c'est pour les autres. Pour édifier quelqu'un. Si Jésus a fait quelque chose dans vos corps, dans vos vies ce soir, est-ce que quelqu'un veut témoigner de ça? Oui, viens. Donc, donne-lui le témoignage. Joseph, écoute. Amen, pasteur. Le Seigneur a fait des miracles ce soir. Amen. La cité a été oppressée au fond d'elle. Et au moment de la prière, elle ressentait une forte dépression à l'intérieur d'elle. Amen. Et le Seigneur lui a poussé d'aller aux toilettes. Elle a vomi quelque chose. Oh. Donc le Seigneur a libéré ce soir. Amen, amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Amen, 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 amen.
En tout cas, quelle que soit la nature de votre témoignage que vous avez, ne gardez pas votre témoignage pour vous. Rappelez-vous que votre témoignage, c'est une parole prophétique qui vient dans le cœur de quelqu'un qui s'attend aussi à un miracle. Le témoignage, c'est pour les autres. Le miracle, c'est pour vous. Quand vous avez reçu un miracle, le moyen le plus sûr de le garder, c'est de témoigner. En témoignant, on est en train de dire à Satan, tu as échoué. Tu ne peux pas nous retenir en captivité. Impossible. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il guérissait hier, il guérit encore aujourd'hui. Il libérait hier, il libère encore aujourd'hui. Et je vous assure, ce week-end, vraiment, surtout si tu es une femme, attends-toi à quelque chose de la part du Seigneur. Attends-toi à quelque chose de la part du Seigneur. Donc, s'il y a une femme à côté de toi, dis-lui, si pour toi-même, ne rate pas ce week-end, ne rate pas ce week-end. Le camp de réveil commence ce soir. C'est quoi ça, quelle heure ? 23h. Ok, merci. Le camp de réveil commence ce soir avec Pasteur Célia, Pasteur Sita, deux servantes de Dieu, ointes, remplies de l'esprit. Et je sais de quoi je parle. Je dors à côté d'une personne embrasée tous les jours. Donc, je sais de quoi je parle. Vous pouvez me faire confiance. Non, vous dites pas amen. Mais si, vous pouvez me faire confiance. Je sais de quoi je parle. Elle dort à côté de moi. Donc, je la connais. Donc, je vous dis qu'elle est remplie de l'esprit, remplie de feu. Et ce soir, sa sœur aussi, Pasteur Sita, remplie de l'esprit, remplie de feu, seront les intervenantes de ce camp de réveil des femmes d'impact. Oh, mais je croyais que ton amen allait être plus. Voyez. Amen. Donc je dis, Dieu a déjà commencé et il va continuer. Donc si tu avais des rendez-vous demain pour toi-même, annule souvent les rendez-vous. Dis-lui, bon, je reporte, je passerai la prochaine fois. Parce que tu ne peux pas rater ça. Il y a des moments qui sont importants qu'on ne rate pas. Amen. Voilà. Donc nous confirmons encore, nous réitérons encore le fait que le camp de réveil commence ce soir dès 23h pour la veillée de prière. Et demain, samedi 14 octobre, de 10h à 17h, ici même en église Impact Centre Chrétien, campus de Bergevin, Guadeloupe. Amen. Donc demain, comme tous les samedis, nous avons toujours notre sortie d'évangélisation. Donc, si tu n'es pas convoqué pour le programme des femmes, sache que demain, tu es dehors pour l'évangélisation. Oh non, mais tu dois dire un meilleur amen. Normalement, il y a plus d'hommes qui doivent dire amen parce que comme vous ne serez pas ici. Non, vous ne dites pas amen parce que vous... faut dire amen. Donc demain, la sortie, c'est au Gosier. Rendez-vous 9h dans le bourg du Gosier devant le parc paysager du Calvaire. Amen. Et à Basse-Terre également, rendez-vous 9h devant l'église ICC pour une sortie d'évangélisation sur la Basse-Terre dans la zone de Calbassier. Donc comme d'habitude, notre dress code c'est t-shirt blanc. Et comme d'habitude, si vous n'avez pas de t-shirt blanc, même si c'est violet, venez quand même, vous êtes les bienvenus. Amen. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc nous nous retrouvons dimanche ici à Bergevin pour nos deux cultes de célébration. Le premier culte à 7h30 en présentiel et sur notre chaîne YouTube ICCTV Guadeloupe. Et le deuxième culte uniquement en présentiel à Saint-Martin, rue des Aborigènes, près de la gendarmerie à Obstet, à Grand Case. Le culte commence à 9h. Et à Basse-Terre, à l'immeuble des Prud'hommes, 59 voies Diligenti, dans la zone d'activité de Calbassier. Nous avons également donc le culte à Basse-Terre à partir de 10h30. Amen. Voilà, donc nous allons prendre le temps juste d'élever la voix pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour cette soirée. Merci à Dieu pour ce temps de prière, atmosphère de prière prophétique. Merci à Dieu pour le camp de réveil des femmes d'impact de tout à l'heure. Nous allons élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà commencé à faire et ce qu'il va continuer de faire. Seigneur, le psaume 126, tu dis que tu as fait de nous, pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie et nous croyons en cette parole que tu as libérée ce soir.
Seigneur, tu as dit dans le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole, elle les guérit et les fit sortir de la fosse. Seigneur, ce soir encore, il y a des personnes qui ont été guéries, qui ont été libérées, et ça va encore continuer. Et pour toutes ces choses, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance et notre gratitude. L'action de grâce n'est pas une prière ordinaire. L'action de grâce n'est pas une prière à prendre à la légère. L'action de grâce n'est pas une prière à banaliser. Non, c'est une prière importante parce que tant que nous rendons grâce, Dieu continue de faire. Voilà pourquoi tu as dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Autrement dit, c'est notre avantage de dire merci à Dieu, de prendre le temps de le célébrer pour chaque victoire, pour chaque conquête, pour chaque étape franchie, pour chaque pas en avant, pour chaque signe qu'il a manifesté, chaque prodige, chaque miracle, chaque opération, chaque main tendue, chaque fois que son doigt a agi, nous devons prendre le temps de dire merci. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Merci pour la fin de ce moment qui n'est pas la fin de ta présence. Merci de nous raccompagner dans nos demeures respectives, de marcher devant de nous comme un feu dévorant et de libérer le ministère des anges en notre faveur pour que nous puissions rentrer chez nous sans encombre, sans incident, sans accident dans le nom de Jésus. Merci pour la guérison dans les corps. Merci pour la restauration dans les cœurs. Nous te bénissons, Abba Père, de ce que les corps sont revigorés et vivifiés dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous croyons que les esprits de représailles, les esprits méchants vont se dresser, vont voir une muraille de feu, Seigneur, qui nous entoure, et ils seront brûlés, consumés s'ils veulent franchir cette muraille de feu au nom puissant de Jésus. Merci pour la ligne de sang qui nous entoure afin que quiconque veuille nous toucher soit neutralisé et paralysé par le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous à la croix et qui est répandu encore ce soir sur chacune de nos vies, de nos maisons, de nos foyers, de nos moyens de locomotion, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour l'amour de Dieu notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit de Dieu qui est notre partage à tous. Reçois de notre part l'honneur, la puissance, la gloire, la célébration ainsi que les acclamations. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire ainsi soit-il? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour recevoir ce que le Seigneur a fait encore ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour célébrer ce que Dieu a accompli? Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Dieu vous bénisse. Excellent retour à tous. Avant de partir, dis à au moins 4 personnes, je vois un changement d'histoire dans ta vie. Jésus change ton histoire. Et ça commence ce soir. Jésus change ton histoire et ça commence ce soir. Dis à au moins 4 personnes avant de partir. Nous disons au revoir aux personnes qui sont connectées avec nous sur Internet. Dieu bénisse nos frères et sœurs de Saint-Martin, d'Haïti et d'ailleurs.